Et salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo Captain Shadow. On est parti aujourd'hui pour une petite astuce. Comment récupérer Evoli ou Pikachu qui ne sont pas en fait au départ trouvables initialement dans le jeu. Pour les trouver et en tout cas les avoir très tôt, vous avez une petite astuce. Si vous avez fait le jeu Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, que vous avez votre sauvegarde sur votre compte, vous venez en fait dans la gare des Terres Sauvages. Donc ces deux gamins là. Donc la petite blondinette, elle, va vous demander, va vous filer un Pikachu. Et le Mister Brun, on va dire, va vous filer un Evoli si vous avez une sauvegarde. Moi j'étais passé devant, j'avais vraiment complètement zappé ces personnages, j'étais parti directement découvrir un peu la zone. Donc voilà, donc en fait une fois que vous l'avez récupéré, et vous l'avez maintenant, donc vous voyez, pouvoir le mettre un Pikachu level 30, un masculin, vous avez après la possibilité, un petit peu plus rare, mais vous avez quand même la possibilité de le trouver sur le terrain. Par exemple, moi j'ai pu récupérer un Pikachu féminin maintenant que j'ai pu envoyer à ma copine. Comme elle, elle a pas de sauvegarde ni l'un ni l'autre, et ben non, moi elle a son propre Pikachu. Et l'avantage en même temps, c'est comme ça vous avez aussi la possibilité de pouvoir le re-attraper, essayer de lui faire faire un œuf et faire un Pichu. Donc voilà, donc n'hésitez pas à emprunter le jeu d'un de vos collègues et faire une petite sauvegarde même de 30 secondes pour au moins qu'il y ait une sauvegarde sur, sur le jeu Pikachu ou Evoli. Et d'aller à la gare donc de la plaine sauvage, qui est vraiment l'une des premières gares que vous visitez une fois que vous quittez la zone d'origine du starter du jeu quoi. Donc voilà, comme ça vous permet d'avoir un deuxième Pokémon qui peut être bien puissant dès le début du jeu. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu cette petite astuce, et moi je vous dis évidemment à la prochaine.